Ok, c'est Fio Molotov pour petit délire, la famille, ok? Si, si. Cinq minutes avant, tu parlais de meurtre et de tuer. Quatre minutes avant, t'avais plus les couilles de tuer. Trois minutes avant, ton cas. Si t'étais la pochette d'un album de rap US. Cinq minutes avant que t'es renom. La pochette de l'album de Kiss Me Ray, Enigma. D'accord, parce que tu t'es buté avec Kiss Me Ray. Ouais, ça, j'ai écouté ça dur. Hein. D'accord. Si t'étais une finale de Coupe du Monde. Brésil. C'était Brésil-Italie en 70. D'accord. Finale de Coupe du Monde. Ok. Si t'étais une émission télé. Après, j'essaie de me replonger un peu, tu sais, dans l'ancienne, dans ouais. Les émissions qui nous avaient pas mal marqué. Pour le catholique intégriste Bernard Anthony, la France serait menacée par de nouveaux barbares, à jeans larges et casquettes. Je serais envoyé spécial, peut-être. Ouais. Ouais, j'aime jamais cette émission. Ouais. Je trouve pas mal, quand même. Premier morceau, premier tube. Je veux une bombe de meuf pour la tronche qui va avec, le bœuf qui va avec, le gros fer qui va avec. La vie qui va avec, faites un inventaire des choses qui vont ensemble, des idées qu'on associe spontanément. Afrique avec misère, cité avec délinquance. Le texte ne manque pas d'efficacité, mais pas non plus d'ambiguïté. Ça n'a duré que 2 secondes, mais le message vient de passer. Un babtou, un blanc, va avec une ragla, c'est-à-dire une raclée. Comment faut-il le comprendre? Sefiu constate le racisme anti-blanc, le dénonce ou bien l'encourage. Sefiu, 0% de racisme, 100% de tolérance. Si t'étais un film de Denzel Washington. Le plus beau des combats. Okay. Ouais, très bon film. Je veux vous voir en veste, chemise et cravate. Si vous n'en avez pas, achetez-en une. Si c'est trop cher, empruntez-en une à votre grand-père. Si vous n'avez pas de grand-père, trouvez un ivrogne et offrez-lui un verre en échange. Je vous garantis qu'il n'y a pas un clochard aussi mal fringué et aussi ridicule que ce que j'ai devant moi en ce moment. Vous n'êtes plus en démocratie. Disque d'or ou victoire de la musique? C'est Fiu! Disque d'or, 6 semaines seulement après sa sortie. Disque d'or. D'accord, pour quelle raison? Ça symbolise une certaine réussite déjà dans un premier temps et que c'est un peu le moteur de tous ceux qui font, qui sortent des albums. Quoi. Okay. Tout le monde y pense en fait. Naturellement, lorsque tu fais un album, même si tu y vas pas forcément pour le disque d'or, mais tu y penses toujours. Ok. Mais c'est vrai que quand même. Une sorte de récompense, un couronnement par rapport à. D'accord. Mais bon, quand même, ta victoire de la musique, tu vois, le fait de voir un rappeur, tu vois, avoir une victoire de la musique, c'est quand même. Ouais, c'est quelque chose de moins cas, accessible enfin dans le milieu musical français quoi. Ouais, parce que c'est beaucoup plus large, la victoire de la musique, ça reflète en fait tout un corps artistique quoi, c'est pas simplement que dans un domaine quoi. C'est en tant que compétition avec la musique française et puis il faut distinguer, donc c'est vrai que la victoire de la musique, peut-être que dans une carrière t'en as, y en a qui n'ont jamais eu. Ouais. Moi j'en ai eu au moins une quoi. C'est vrai que c'est. Mais après bon par rapport à. Ça, pour moi, il n'y a aucun changement, aucune réelle modification par rapport au courant des choses. Masser le bas du dos de Alberi ou celui de Tyra Banks. Alberi, okay. Très bonne actrice, ouais. C'est quelqu'un que j'aime bien, okay. C'est une actrice que je trouve belle aussi, ouais. Mignonne. Elle est... On voit un peu moins ces derniers temps, mais... Ouais, mais c'est une très bonne actrice. Du piment, mais il a fallu que tu te brûles, 10 secondes avant le champ. 93 hardcore de Tandem ou Sensei Style de NTM? 93 hardcore, Sensei Style, 93 hardcore, Sensei Style, 93 hardcore, Sensei Style. D'accord. T'es plus proche de Notemeu que de Tandem ou... Oh non, c'est comme ça, on se connaît tous. Hein. Ouais, ouais, bah ouais, voilà. Ouais, après, ouais. C'est le symbole, hein. Okay. Révélateur en fait, d'un département, d'une région, tu vois.
D'une génération. Une génération, et c'est eux, ils sont plus ou moins, ils ont été beaucoup, j'avais plus ou moins précurseurs par rapport à, par rapport au hip-hop, déjà dans le sens, dans le sens large, et puis après c'est NTM quoi. Le lapsus coquin de Rachida Dati. Seul objectif, la rentabilité financière à des taux excessifs. Moi, quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une inflation, quasi nulle, et en particulier en période de crise, ça veut dire qu'on casse des entreprises. Petit délire. Ouais. C'était pas méchant. Ouais, parce que maintenant, du coup, à chaque fois qu'elle parle, tout le monde l'attend au tournant. Avec une inflation. Le fils d'un tel ou d'un tel qui est bien placé. Jean Sarkozy, j'imagine que cette décision a été prise en concertation avec l'Élysée. Alors, si la question c'est, est-ce que j'en ai parlé avec le président ? La réponse est non. Si j'en ai parlé avec mon père, la réponse est oui. C'est un mauvais délire, parce qu'il n'y a, a aucune fierté à être pistonné. Claude Guéant qui devient un peu la voix de Le Pen. Heureusement, le président a pris la tête de la croisade. C'est un mauvais délire, hein, de toute façon, parce que Sarkozy ou autre n'a jamais été aussi haut que lorsqu'il y avait de telles provocations. Lorsqu'il y a... Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Tu sens que ça leur manquait un peu, ils avaient besoin de placer quelqu'un et ils l'ont briefé. Et ils attendent juste que ça s'embrase un peu et que ça parte un peu en couille chez nous. La vidéo de Maeva Sorov, tu trouves que c'est un petit délire, un mauvais délire ? Ce qui est Maeva ? Il voulait m'éloigner de tout le monde, il était très jaloux, très possessif, il a même pas accepté il acceptait même pas que je parle avec son frère. Ouais, j'ai entendu parler de ça il y a pas longtemps en plus. Mais ça c'est un mauvais délire, ça. Ouais. C'est n'importe quoi ça. Parce que je pense que bon, quand il y a des soucis, il faut pas les régler comme ça, c'est tout. Après, c'est dommage pour elle, quoi. Okay. Je pense que si elle a des choses à lui dire, qu'elle le dise directement. Après, j'ai envie de te dire que ça, sont des choses qui ne nous regardent même pas, à la rigueur. Ouais, tu vois, c'est de la sphère privée. Ouais, c'est vraiment privé. Même là, j'en parle, mais en réalité, ça ne me regarde pas. Après, c'était trop tard, fallait réfléchir avant. T'es déjà sur un prochain album ? Ouais, là, j'ai commencé, en fait, parce que bon, j'ai toujours tendance, de toute façon, à... Lorsque je termine un projet, bah, tout de suite en fait me plonger dans la suite. Et là je suis actuellement sur le quatrième, en fait je suis sur la mixtape, le quatrième album. D'accord, qui sort, qui je comprends, n'avait plus rien à. Enfin là en gros là t'as bouclé une boucle. En fait, là c'est le quatrième, tu repars sur un truc complètement différent. Ouais, le propos il sera vraiment différent en fait. Le ton aussi. D'accord. Parce que quand on remarque bien, j'exprime des choses qui me dérangent, mais j'exprime jamais réellement mon point de vue. En fait. Ok. Tu vois. Donc là, il sera beaucoup plus personnel. Ouais, beaucoup plus personnel en fait. Voilà, je vais un peu plus me dévoiler dans un ton beaucoup plus radical, beaucoup plus direct, sans tabou, sans détour en fait. D'accord. Et tu sors avec la même équipe au niveau artistique ? Ouais, c'est avec une équipe un peu plus renforcée. D'accord. Parce qu'il y a des gens avec qui j'ai grandi, avec qui je travaille depuis tout petit, que je vais encore rallier à mon équipe, et puis un peu plus de transparence par rapport à. J'ai l'habitude de travailler.